Allez, salut à tous et bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer à jouer à Secret of Mana. Et la dernière fois, on avait réussi à sauver le fameux dragon blanc, je ne sais plus qui. Je me rappelle plus son nom, le pauvre. Attends, fais voir que je dise pas de bêtises, que je me replonge un peu plus dans le jeu. Parce que là, ça fait quasiment depuis la semaine dernière, je crois que j'ai plus touché, ou depuis le début de la semaine. C'est ce petit truc là, le dragon. Il est trop bon. Allez, du coup on bouge de là et il fallait se rendre dans le désert. Alors le désert, j'ai vu sur la map qu'il était au nord-ouest. Donc normalement je devrais pas avoir de soucis. Enfin je crois. Mais je sais pas où passer. Alors est-ce qu'il faut que je sorte? Ah oui, il a dit que pour se rendre dans le désert, il fallait voir avec avec Cannon Man, je crois. Alors on va aller voir Cannon Man si c'est faisable. Je peux pas passer par là directement, non, dommage. Je crois qu'il faut sortir de la grotte et partir sur la droite. Je crois que c'est seulement là qu'on pourra faire quelque chose. Alors, vite. Aïe. Alors, tac, tac, tac. L'âge de guerre. Putain, c'est chiant à chaque fois de devoir changer d'arme comme ça. Là, c'est super gavant. Et il est tombé par terre. Putain, je me languis de pouvoir tous les one shot quoi, mais j'attends que ça quoi. Ah oui. Alors normalement c'est sur la droite. Tuer le hibou. Enfin il me semble que c'était sur la droite hein, je crois. Oui, niveau 18. Ah, il est là. Hey, hey, hey. Ah, ben voilà, désert de Kakara. Ou le pays de glace. Non, non, le désert de Kakara, s'il te plaît. J'ai pas sûr d'y arriver, quoi. J'espère bien que tu vas y arriver, quoi. Putain. Sinon, je sais pas où est-ce que je vais terminer, quoi. Allez. Au revoir, tout le monde. Ah! Ok, le désert, c'est le désert, quoi. Ok. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est pour ça que ça s'appelle un désert. Ouais, allons chercher de la bière. Alors, on va quand même faire un petit peu le tour de la zone, hein, avant de dire une bêtise. Putain, ce truc, ça ressemble tellement à une zone de boss, cet endroit, quoi. Ça pue la zone de boss, quoi. Alors qu'il n'y a pas de boss. C'est ça le pire dans l'histoire, quoi. Il y a des scorpions, et il y a encore des ratops ou je sais pas trop quoi, là. Bon, le scorpion, il a l'air mais tellement méchant. C'est dommage qu'on puisse pas switcher entre l'ancienne version de Super NES et le... Et cette nouvelle version, ça aurait été génial, quoi. Franchement, ils ont pas géré du tout, quoi, sur ça. Faire un peu comme la Wonder Boy Trap, je sais plus quoi, là. Ça c'était génial, quoi. Ils s'étaient juste gavés en faisant ça, quoi. Oui, ils sont chauds, les scorpions. Attention, il y a tout le monde qui va mourir, là. On va soigner tout le monde, s'il te plaît. Voilà. Nickel. Ah, déjà un petit peu mieux là. Et ouais, si en plus ils augmentent leur défense.
et que je les rate, on n'a pas fini. Ah ben voilà, moins 1. Moins 2. Bientôt. Et on y est presque, on y est presque. Yes. Partir à gauche, on va voir. Oula, des scorpions, encore. Oula, là par contre ils sont trois là. Il a ramené sa famille quoi. Que les ratés. Ces esquives à chaque fois là. Boum. Je vais quand même en profiter pour les désinguer parce que il faut que j'augmente de level, sinon ça va pas le faire. J'ai mis l'épée dans l'œil. Touk. Yes. Elle augmente toujours de level, mais pas moi quoi. Par contre, bizarre quoi. Ah putain, je suis empoisonné, t'es sérieux là? Oula, j'avais pas vu. J'avais pas vu mon cher ami Popoy, hein, le pauvre. Bon, je sais pas si ça vaut réellement le coup de rester là. Parce qu'apparemment, il repop à l'infini. Oula, attention les sarlacs. Alors je sais pas où il faut aller, là, la zone a l'air méga grande. Ça m'inquiète quand même assez. J'ai l'impression d'être revenu là où j'étais tout à l'heure, non? Oula, qu'est-ce qui se passe là? On va tous mourir. Ah, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un oasis? Elle a vu quoi? Allez, moi j'ai une citrouille. Des citrouilles dans le désert, j'aurais tout vu quoi. Avec des gros coquillages. Et en plus ça explose. Oh, oh! Normal quoi, une fourmigale. On dirait un nom de Pokémon quoi, s'il te plaît. Par contre, il fait mal. Hein. Putain, ça promet pour le boss quoi. Attends, là, il faut que je me soigne là de suite. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Yes. Belle récompense ou pas? Ah, super. Juste du chocolat quoi. Chocolat, j'en ai plein quoi. Ah ben voilà. Ok, vaisseau. Super. Il a l'air costaud le vaisseau. Ah, cool. You there. What are you doing out here on this sand ship? Only Imperial spies can... Who are you calling, stupid? What are you doing? Sir, we picked up some spies. Wait a moment. There's a possibility they were simply lost. We'd almost given up. I see. I'll help you, stranger. But in return, you'll have to work off. You'll work in the engine room. The shrimp will take kitchen duty. And the putain, quoi? Ça va les impériaux, quoi? C'est comme si on était en prison, qu'on est des esclaves d'un coup, quoi. Et en plus, avec la petite musique rigolote derrière, quoi. Ah ben voilà, super. Admiral Maria of Tasnica's in command. If he doesn't like the look of you, you'll end up dumped. Bon, mais du coup, il faut que je travaille, non? Non. I'm Sergo, pirate extraordinaire and skirt. Oh, at least I used to be. But I can't forget the feel of the waves and the salt spray in the air. That's why I stowed away on. I'll be back on the high seas someday. Ça, ça sent le truc de pirate. Oh. Bon,
On peut pas s'échapper là? This sand ship is the Republic's secret weapon. Get to work. Get to work. Bon, du coup, apparemment, on peut pas s'échapper. Je peux pas attaquer. Est-ce que je peux faire peut-être de la magie? Non. Je peux pas faire de la magie. Peut-être que je reparle au personnage, non? Ah. Ok, ça va chier. Ah. Yo, salut Sansa, ça va mec? T'es bien revenu de congé? Tranquille hein? Alors du coup, attends, il a dit au feu quoi. Ah, du coup, c'est bon, ils se sont tirés quoi. Super. Oh, merci pour le host, mec. Merci beaucoup. Oh, la petite musique kebab derrière égyptienne là, c'était sympa quoi. Bah, ça va, cool, mec. Super, super. J'ai vu ton post tout à l'heure sur Twitter. Alors, du coup, par où je passe maintenant? Il faut peut-être que j'arrive à retrouver mes amis. Mais écoute, ça va, mec. Là, ça y est, vacances. Vacances aujourd'hui. Donc, tranquille, là, tu vois, repos. Repos. Et puis la semaine qui arrive, je pars à Nottingham. Donc, ça va, tout va bien, quoi. Tranquille, quoi. Un peu des congés, ça fait du bien, quoi. Je vais essayer de passer par là. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je sais pas s'il y a du monde qui vient d'arriver. Parce que du coup, j'ai pas le compteur. J'ai juste le compteur en haut, quoi, mais... ouais, je vais inscrire quelque chose au journal de bord. Ah, d'accord, je peux sauvegarder comme ça. Pourquoi pas. Je pense que j'ai peut-être trouvé le chemin très vite, en fait. Je m'attendais pas à le trouver si vite, quoi. Je me suis dit, à tous les coups, je vais me perdre dans le désert encore. Mais non, ça va, dès le premier coup, quoi. Grimper, je suis allé tranquillement, quoi. Ouais, avec madame, monsieur. Tout à fait. Tout à fait. Tranquille, quoi. On va au siège social de Games Workshop. Là où, comment ça s'appelle, ils fabriquent les Warhammer. Vu que je suis un gros fan de Warhammer 40k, alors du coup... on va là-bas. Alors là, je peux pas passer. C'est super. Peut-être que j'aille ailleurs. Putain, par où je suis arrivé tout à l'heure? C'est dingue ça. C'est pas possible. Il y a bien un endroit par lequel je suis arrivé, quoi. Yo, Dodo, ça va? Oh, y a pas de problème. On part de lundi à jeudi. Tranquille, quoi. Voilà, quoi. Tranquille. Alors là, je pourrais pas passer, c'est sûr. Ouais, ça va, mec, tranquille. Ça va, Dodo. Ah, voilà, c'était par là. Ouais, je suis arrivé par tout en bas. J'avais pas calé, merci, quoi. J'étais en train de me poser la question, quoi. Je disais, c'est pas possible, quoi. Mais ouais, là, je revis, là. Ce matin, ça m'a fait du bien, tu vois, de me lever tranquillement, pépère, passer la journée au calme, quoi. Là, tout à l'heure, j'arrivais même plus à bouger, tellement j'étais crevé. Tu sais, quand le corps, il se détend, tu sais, qu'il se dit, allez, c'est bon. T'as une semaine. Souffle. Voilà, quoi. Et là, ça m'a fait l'effet de tout à l'heure. Alors, j'étais en train de comater sur Metal Gear Survive, quoi. J'étais allongé sur le canapé, j'étais comme ça. Ah... J'étais en train de mourir, quoi. Ah. Dodo qui pose de suite la bonne question. La journée au calme ou au bar? Les deux. Non, on est allé manger au pub où on a l'habitude d'aller, là, au Brady's. Et c'est super bon, quoi. Alors, entre midi et deux, ils font le fish and chips. Et oh là 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 là, je bouffe comme un porc à chaque fois, quoi. Ah non, c'est super, quoi, à chaque fois. Ah, ils m'ont servi à la fin un café, mec. Café au whisky, quoi. L'Irish coffee, quoi. Alors au début, tu prends, tu dis, putain, c'est trop bon et tout. Et au plus tu descends dans ta zone de café, au plus tu touches
touche au whisky et c'est là où ça devient mais ah c'est pas très bon quoi. Parce que justement il y a, alors je pense qu'il y en avait trop de du whisky à l'intérieur. Putain j'en pouvais plus quoi, je suis sorti mais j'étais tellement torché quoi. Bah. Ben écoute, Metal Gear Survive, moi franchement, alors j'ai été le premier à cracher dessus, parce que j'ai dit ouais, c'est vraiment de la merde, Kojima vie, etc, tu vois, et un peu comme tout le monde, quoi. Et puis, le scénario est moyen, vraiment, quoi, mais le jeu est ultra addictif, quoi. Le fait de crafter comme ça, de pouvoir te soigner, etc, ça ressemble un peu beaucoup à ce qu'il faisait à l'époque de Snake Eater. Tu sais, le délire de te soigner, de te faire des bandages quand tu sautes de trop, tu te brises un truc ou quoi. Ça ressemble un peu à ça dans le fond. Mais c'est super addictif. Moi, je trouve bien le jeu. Vraiment, quoi. Le seul truc que je regrette, en fait, c'est la connexion online, les lootbox et les trucs comme ça. Je trouve le modèle économique complètement à chier. Mais bon. Après, sinon de ça, c'est sympathique. Voilà, c'est bon, on l'a récupéré, nickel. Et du coup, il le jarte parce qu'il s'arrête pas de bouffer, quoi. Mais ouais, c'est pas un mauvais jeu du tout, quoi. Et pourtant, c'est un fan de Kojima qui te dit ça, hein. J'aime énormément Kojima, je le défendrai jusqu'à la mort. Mais là, franchement, voilà, quoi. Mais ils auraient peut-être pas dû appeler ça... ils auraient pas dû appeler ça Metal Gear, tu vois. Ils auraient dû peut-être se baser... sur autre chose, tu vois, peut-être une autre licence ou quoi. Parce que bon, si t'enlèves l'introduction du jeu, au final, tu peux très bien le raccorder à un autre jeu ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est pour ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Un petit peu dommage. Est-ce que je suis arrivé par là? Je sais plus à force, quoi. Je sais plus du tout. Non, je crois que j'y suis pas allé par là. Ah d'accord, donc il a pour mission de protéger El Temple del Fuego. Ok, alors là on pourra pas passer, je crois qu'il faut que je remonte en haut, c'était peut-être l'autre petite entrée. Donc ouais voilà, et puis après je me suis dit bah tu sais quoi, il est quelle heure, il est 18h, oh mon dieu 18h45, c'est putain merde, il faut que je stream quoi. Alors du coup, et voilà, je me suis connecté et on y est. Et puis bon, vu que la dernière fois j'avais pas mal avancé sur. J'allais dire sur Dragon Quest. Lapsus révélateur. Sur Secret of Mana, j'ai dit bah tu sais quoi, je vais continuer et puis voilà quoi. Donc du coup, il faut que j'arrive à retrouver Prime. La blondasse de service. Si j'arrive à la retrouver. Ce qui a pas l'air gagné apparemment. La musique est sympatoche quoi. T'imagines quoi, tu tombes sur des impériaux, tu te dis ouais on est sauvé. Non non, ils te font ils t'emprisonnent quoi les salauds quoi. C'est dégueulasse. Du coup on n'est pas passé par là tout à l'heure, si. Je sais plus à force. J'ai l'impression de tourner en rond quoi. Non on n'est pas passé par là, si. On a récupéré Popoy là, non? Eh oui, on a récupéré Popoy. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors là, je suis en train de mettre à jour toutes mes collections de vidéos sur Twitch aussi. Parce que après, je les ai sur YouTube. Mais du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas les refoutre aussi sur Twitch. Donc petit à petit, je les rajoute. Je suis bien content. Alors là, je monte en haut. Donc c'est pas intéressant. Faut peut-être que je passe sur le côté, non? Des rats, ouais. Parle pour toi, ouais. Ah, ben voilà. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Des rats, hein. Ah. J'ai eu peur sur le coup, je me suis dit non, ne me fais pas planter mon stream maintenant ou quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle fait avec le capitaine? Ah, oh, vas-y, passe-moi le dos. Oh,
Attention quoi, hashtag MeToo quoi. Oh là 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 là, cet harcèlement sexuel quoi par le lieutenant quoi. Mais chaud quoi. En plus on sait même pas si elle est majeure en Prime. Mon dieu quoi. Mais grand-père, elle a pas voulu me toucher. Mais d'où on s'échappe? Et t'as fumé ou quoi? On s'échappe de rien du tout quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh ce lieutenant, mais comme il a peur de tout quoi. Alors du coup on va les aider je suppose, non? Ok. Surrender. Ah j'allais dire pourquoi je peux pas lui parler parce qu'il faut que je grimpe par là. Oh! Je le savais que c'était la zone du boss. Je l'ai senti, mais net. Oh, ce chevalier de la mort, quoi. Attends, ça va pas aller là. Là, ça va pas aller. Vas-y, fais péter la foudre sur, sur lui là. Oula, oula, la 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 la, les missiles. Vas-y, refais la même, refais la même. Alors, si t'as monté ta magie, il est easy to frag. Alors justement, j'ai pas monté ma magie, donc c'est ça qui va être rigolo. Pourquoi je fais ça? Je vais faire ça et encore ça. Aïe, aïe. Allez, encore, Popoy, vas-y, fais péter la foudre. Oula, attends, il me l'a carrément défoncé, elle. Ah, plus rien ne va. Super. Aïe. Ah! Ah! Putain, pourquoi il est. Et pourquoi il esquive tout, quoi? Fait exprès, quoi. Ah! Voilà, c'est ça que je veux. Pas vrai, ça. Ah, je peux plus le faire, bourrasque. Ouais, non. Et si je fais peut-être ça? Putain, je fais que des ratés. Je fais que des ratés. Okay, attention, vite. Ah! Ok. Ok. Alors là, il peut plus rien faire. Et ouais, il a carrément plus de magie, quoi, le mec. Pourquoi il y a plus de magie? Putain, je fais que des ratés. C'est ouf, quoi. Et ouais d'accord, c'est parce qu'en fait à chaque fois il fait de l'esquive en fait. Ouais si, j'ai du chocolat en pagaille en plus. Ah mais en fait ils sont morts, j'ai pas calé. Alors ce qui est rigolo c'est que j'ai mis de la magie sur lui alors que il y en a aucune utilité. Aïe.
Allez, allez, allez. Et noix pour les PM, tu me dis. Hein. Et noix pour les PM. Alors, j'ai plus de noix. C'est pas grave. Cra. Alors j'espère que je vais y arriver. Putain, comment ça se fait que ça marche pas à chaque fois? Ah yes! Vaincre le mecha chevalier. Eh ben voilà. Merci mec pour le coup de la noix. Parce que c'est vrai que je savais pas, tu vois. J'en ai pas eu vraiment l'utilité depuis le début du jeu. Donc, ouais. Donc du coup, ouais, merci. Et ben voilà, ça c'est fait. Oh, une sphère de fouet. Waouh. Merci à vous, honorable héros. You fellas are a boot. Look me up. Tu touches pas, c'est ma femme. Tu touches pas à elle. Ah ben ouais, carrément quoi. Ça va, je te demanderai si jamais j'ai besoin, merci. Moi c'est ma première fois, donc je sais pas du tout, tu vois. Je découvre. What? You know Gemma? But that means you're heroes. I apologize for my grand. I'd almost forgotten how true soldiers are meant to behave. Vous m'avez rappelé à quel point un chevalier ne doit jamais partir sans sa moustache. Il a une moustache, mais c'est fabuleux, quoi. Mon cher vaisseau. Du coup, on fait quoi maintenant? Du coup, il faut que je parte. Je sais pas où il faut. Ah oui, il faut que je parte au temple d'Alfuego, le temple du feu. Ouais, en fait, je suis obligé de lui reparler, c'est ça. What? You know Gemma? Heroes. I'd almost forgotten how true. Ok, peut-être à lui, non? Alors, je pars par où, là? T'as un chemin ou quoi? Franchement, je comprends pas par où je parle. Hein. Faut que je parle à un personnage ou quoi? Lui, je lui ai pas parlé. Ah, voilà. Au nord, puis à l'ouest de là, le temple du feu. Donc, au nord, royaume de Kakara, et à l'ouest. Ok, c'est parti. Oula, alors on va faire attention de ne pas tomber là-dedans, ça serait débile. Alors go au nord, hein. On va pas se faire chier. Oh! Welcome to Kakara, the Oasis Village. Salam alaikum! L'oasis du désert. Très bien. Ah! Welcome! What'll it be? Oui, un marchand, oui! Oh! De l'équipement! Ça peut servir. Ok. Alors. 1, 2, 3. Quoi, t'es pas sérieux? Vas-y, bon, mais j'ai plus d'argent, c'est très bien comme ça. Anything else? Come again. Alors, vas-y, fais voir l'équipement maintenant. Alors, tac. Ensuite, parfait. Et ça, comme ça. Ensuite, changer de personnage.
7, 11. Ah oui, c'est beaucoup mieux ça. Au final, l'autre, j'ai acheté pour rien, quoi. Super. Ok. Et la demoiselle. Donc ça, c'est bon. Ça, malheureusement, là, on n'a pas. Voilà. Et du coup, on va pouvoir vendre le reste au monsieur. Alors. Ça, inutile. Ça, inutile. 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 Pas la peine. Pas la peine. Ah oui, alors il y a ça aussi, quoi. Dommage. Tac. 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 Donc il faut une tenue pour la demoiselle. Pour point doré, 2250 PO. 1000 PO. Ah ouais, d'accord, ça m'a coûté les yeux de la tête. Et non. Tu veux bouffer quoi? Pourquoi il est quelle heure? Il est 19h20. Mais je sais pas. Mais il faudrait que je descende en fait pour aller chercher la pizza. Mais tu... Ouais, ben voilà quoi. De quoi? Il faut que ça soit toi qui aille chercher la pizza, mais je sais pas. Tu veux? Pourquoi? Et salut Skim Dark. Alors attends, je te réponds dans 5 secondes, excuse-moi, je suis en plein débat. Mais je sais pas, il est 19h20. C'est... on peut pas... Tu comprends quoi à manger? Eh ben alors? On n'a pas un truc qui traîne? Bon bah fais ça si tu veux. Tu veux que... Anything else? Come again. Welcome. What'll it be? Anything else? Come again. Water. I need water. Someone's nabbed Salamander, the keeper of the fire palace.
What's more, the fire seed is... One night is 50 GP. It's so weird talking to Luca. I can't wrap my head around the idea that she's hundreds of years old. I've never seen a granny like her. First time we met, I didn't realize that was... What's her... Whoa! What's with... I don't care how old I get, as long as I never look like Elena. I've got it! It must be the lake around the water palace. That must be it! I'll just take up swimming in the lake every day and wait for the results. Look out, world! This fresh-faced girl is gonna cause a splat! What is she talking about this time? I wasn't gonna ask. You guys have something to say? No, nothing. There are some things we... Oasis. I'm about to pass. I've been waiting. Which... Anything else? Anything else? Come again. Hello, hello! Welcome, welcome! It's 50 GP per trip. Amanda is gone. He lives in the fire palace. We always used to play together. Thank you.
everyone's leaving the camp. Maybe I'll move to Ice Country. There's a lovely town as warm as this one. That's what I heard. Oasis. Hello, hello! Welcome, welcome! I'm about to pass. I've been waiting. Which weapon is...
Someone's nabbed Salaman. What's more, the fire seed is gone. Getting past the
How about it? I've been waiting. Which weapon? I'm about to pass out. I've been waiting. Which weapon is ready for?
Whoa! I'm about to pack. I've been waiting. Thank you.
blast! We're getting past... Too strong for Freeze to blow them out.
Someone's nabbed Salamando, the keeper of the Fire Palace. What's more, the Fire Seed is gone, and monsters have taken... I'm about to pass out from this heat! I'll try not to melt before I upgrade you. I've been waiting. Anything else? Anything else? Come again.
I'm about to pass out? I've been waiting. Hello, hello. Welcome, Matango. That vile serpent, now his... Our ancestors were said creatures like Lydra, they do exist. It's 50 GP per trip. If you say so. Anything else? Come again. That strange old man in Frozen Forest is always... Thank you.
One night is 50 G. Wish I could use magic. I didn't realize you couldn't use magic as the wielder of the mana weapons. Don't worry. We can clean up all those annoying enemies for you. But I wanted to clean up enemies too. Don't pout. I'll cast some magic on your weapon. Yeah, it's what a nice sentiment. Good thing you didn't. What? If you used... And here I thought you were being nuts. I take back everything I said. Come on. Oh, you're going to take their side? Oh, man. Aha!
This is the end. Try to stop me. It's 50G. Ah!
Welcome to the tropics and snow country. No matter how much snow there is out there. Only the most elite own a second house here. I moved here from... To watch this stove. I'm counting on you. Huh? I heard something. Should I open it? Ooh, thanks. I'm the fire elemental Salamando. Use me as a heater, huh? Well, they'll get more heat. Need firepower? I've got you covered. Go! Not you again! You dolt! Didn't you recognize them? This was the perfect money-making scam. Huh? The seed from the Fire Palace? I saw some weird old coop. What are you doing? Don't help them! Do from you. What do you need? Anything else? Be seeing? Thank you.
Thank you.
Oh, Rudolph. Sorry to have worried you. I'm fine now. It was me. I became a Frost Gigas. Lately, the little kids no longer believe in me. It's the fading mana. Without it, children will continue to... I wanted to bring back their innocent dreams, no matter what the cost. Then I heard that mana trees grow at an alarmingly fast rate. I set off to find a mana seed, thinking I could grow a huge mana, but the mana power in the seed was too much for my body to handle. It turned me into that monster. One must take care never to abuse mana, or I apologize for all the fuss. Hey, no ghost. Thank you.
What do you need? Grrrr.